Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes donc jeudi 19. On va essayer le TSR 580 de chez Goldstar. Un gros boombox avec vraiment de la basse. Une belle qualité de son et technicité pas mal aussi parce que il y a quand même pas mal de fonctions, notamment l'enregistrement par niveau manuel ou automatique. 4 bandes, la fonction de tape slip, le mixage micro, loudness, et puis pas mal de fonctions sur le côté au niveau des entrées et des sorties. Voilà, pour attaquer un ampli et autres. Voilà, après le look, voilà, il est super, hein. Il y a deux antennes qui sont en parfait état, bien droites. Donc tout ça, c'est OK. On va commencer par mettre en route le système. Hop, ici. Voilà, là, on passe en radio. Voilà, volume, il n'y a pas de. Ça crachote pas au niveau des potentiomètres. Balance. Gauche-droite. Les graves, les aigus. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est l'enregistrement automatique. Ici, c'est l'extérieur de bande. Le loudness ici. Voilà. Bon, du coup, maintenant, on va faire un essai d'enregistrement. La cassette est bien rembobinée. Allez, on y va. C'est parti. Donc là, on va enregistrer cette chanson-là. Alors, il y a une particularité qui est intéressante aussi, c'est qu'il a la mémoire du compteur. C'est pas très courant sur les boombox. Donc ici, on peut mémoriser, par exemple, un passage qui nous intéresse. Et quand on fera marche arrière, ici, automatiquement, il va s'arrêter où on a mis la mémoire en marche. Voilà, donc c'est vraiment un 4 haut-parleurs avec des gros woofers, des aigus qui marchent très très bien. Et puis les micros ici, voilà, de chaque côté. Voilà, il est très complet, il a un super look. Les touches sont en aluminium, apparemment. Non, voilà, c'est vraiment un super appareil. Donc là, on va faire un essai. On va écouter l'enregistrement qui a été effectué en passant tape ici. Voilà. Je reviens. Ben, j'avais fait la mémoire, donc on va le faire déclencher la remise à zéro. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire lecture et écouter l'enregistrement. Voilà, ça c'est l'enregistrement. Très bonne qualité d'enregistrement, pas mal. Voilà, l'éjection marche très très bien, il n'y a pas de problème. Tout est nettoyé, courroie, tête, galet, tous les potentiomètres. Ont été nettoyés et voilà, il est prêt pour encore de nombreuses années. Merci, à bientôt.